Eh bien, bonjour à tous. Certains jeux peuvent nous faire voyager de manière visuelle et sans dialogue. Aujourd'hui, présentation du jeu Teslagram, un platformer réflexion sorti en 2013 sur PC et sous différents supports au fil des années. Développé par Rain Games, un studio de jeux vidéo provenant de la Norvège. Le jeu met en scène un petit garçon qui doit fuir les hommes du roi cherchant à anéantir les dernières personnes pouvant le nuire. Lors de la fuite, notre héros découvrira la tour Tesla, réfugiant tout type de technologie dans le magnétisme et l'électricité. La narration nous racontera sous forme de pièces de théâtre et dans les différents parchemins récoltés de ce qui s'est passé. La musique s'assimile à l'ambiance de l'environnement, avec des compositions douces et reposantes lors des passages de puzzles et d'autres plus rythmées lors des combats de boss. Ces pistes sonores ont été créées par Beer and Cat, John Lavon et Lynn-Catherine Taclow, ainsi que d'autres par Martin Haff. Visionnons de plus près cette ascension. Selon ma vision, le roi fut pris par de trop grandes ambitions de conquête par rapport à son allié, qui voulait renforcer la ville au lieu d'écraser les autres populations. Le roi déchu de ses batailles se retourna de haine, de rancœur contre son ami jusqu'à l'éliminer. Il imposa un règne de terreur. Un jour, la prophétie dit qu'un petit garçon mettra fin à son règne et apportera la paix dans la ville. Ainsi, notre petit garçon récoltera 4 équipements spécifiques lui permettant de gravir la tour et se préparer à combattre le roi dans son château. Le gameplay réside dans la polarité magnétique avec la loi de l'attraction et la répulsion s'inspirant des fameux travaux de l'inventeur Nikola Tesla. La tour regorge 3 gardiens qui protègent ce lieu qui feront office de boss. Ils vous demanderont de l'observation lors des combats car une erreur et vous devrez recommencer la phase. L'autre défi du jeu réside à récolter les 36 parchemins afin d'avoir la bonne fin. Même si la durée de vie est de 5 heures, cela ne m'a pas empêché de refaire 2 fois de suite une partie afin d'optimiser mes passages. Le jeu garde une ambiance particulière et une identité propre à lui. Ce titre me démontre qu'il n'y a pas besoin que cela soit plus long, mais que cela reste bien ficelé du début jusqu'à la fin. Merci pour cette aventure magnétique. Je vous dis à la prochaine et à tout bientôt!